Vous savez, on en entend parler de plus en plus de nos jours. On se sent de moins en moins en sécurité, même chez soi. Si on se dit, ça arrive seulement aux autres. Je prends toujours mes précautions. Peu importe où je me trouve. Tu veux dire que tu sais pas où elle est? Bon, c'est quand la dernière fois que tu l'as vue? Écoute, tu l'as vue ou pas? C'était l'horreur. J'avais des sueurs froides. J'avais des frissons. Je frémissais de peur. Je me suis mis à avoir chaud tout à coup. Je croyais que j'allais tomber dans les pommes, que j'allais perdre conscience, enfin que j'allais mourir, quoi. Je me suis mis à me parler et à me convaincre que j'allais m'en sortir. C'est une question de vie ou de mort. Et je suis pas une perdante. Alors... Bon, je vous la décris. Elle mesure environ 1m60, elle a les yeux bleus, elle est blonde. Elle s'habille en couleur claire, pastel, du beige, du rose. Oui, et elle met des talons. Vous êtes allé à la plage? La plage là-bas. C'est beau, hein? Je peux fumer? C'est à ce moment-là que j'ai vu la lumière au bout du tunnel. Mais t'étais où? Pas donné de nouvelles comme ça pendant si longtemps. Tu penses pas à ta pauvre mère, hein? C'était long. Non mais je vous dis, elle est folle cette femme. Pas de nouvelles pendant 2 heures. La panique, je suis disparue et tout. Je crois qu'elle avait commencé à préparer mon enterrement. Alors, vous pensez qu'elle va finalement déménager de chez sa mère? Moi, j'espère. Il serait temps.